Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue pour le premier épisode sur Ark Extinction. Et ça fait juste extrêmement plaisir de se retrouver aujourd'hui sur cette nouvelle série. Ah, parce que très clairement, je l'attendais et je pense que vous l'attendiez tous. Elle est enfin là. Alors oui, le DLC est sorti, je crois, mardi ou mercredi. Je sais plus trop, mais en tout cas, c'est un des deux. On a mis un petit peu de temps à lancer la série, mais on voulait vraiment qu'il y ait un maximum de gens présents parmi les membres sur le serveur. Sinon, ça a aucun intérêt, hein, très clairement, d'ouvrir le serveur. À l'heure où je vous tourne cet épisode, nous sommes vendredi soir. Voilà, pour les personnes qui veulent savoir. Ouh, tiens, un petit film avec level 15. Est-ce qu'on se le ferait pas en soi? Ça peut se tenter. Attends, lance en bois, est-ce que j'ai de quoi en crafter? Je peux en crafter une seule. Ok, donc il me faut de la fibre. Alors je vais très rapidement chercher un petit peu de fibre. Je pense que pour se faire de la peau, ça peut très clairement être pas mal du tout là, le petit fiomien. Enfin bref, du coup on se retrouve simplement sur Extinction pour ce premier épisode. Et on se retrouve du coup au milieu de la map. Et ça a l'air juste totalement magnifique. C'est juste un truc de fou quoi, c'est... Oh, ça a l'air magnifique. Il y a quelques petits dinothèques par-ci, par-là. Je sais pas à quoi ça sert, je sais pas s'ils sont gentils. Il me semble qu'eux, ils sont gentils, sauf si on les attaque. Ce truc-là, là-bas, il est gentil, puisque ça fait 3000 fois qu'il tourne autour de moi. Après, si on les attaque ou pas, je ne sais pas trop si c'est gentil ou pas, mais on va dire que oui. Je compte également sur vous pour éviter tout spoil par rapport à la série, que ce soit, je sais pas, une histoire, que ce soit un timing, quoi que ce soit. Je veux vraiment découvrir tout par moi-même, enfin... Pas tout, mais vous m'avez compris. Donc, je compte sur vous. Ceci étant fait, on va pouvoir normalement crafter 3 lances supplémentaires. Eh ben, c'est nickel, ça. Alors, il est où le petit fiomien? Je crois que je l'ai vu pas trop loin. Alors, juste comme faire gaffe au carnot là-bas. Ah, merde, il est sur le fiomien. Ah. Ah, c'est problématique, ça, par contre. Ah, il m'a volé mon fiomien, ce con, ouais. Oh, le vilain. Il m'a volé mon fiomien. Bon, du coup, on va falloir s'en trouver un autre. Est-ce qu'il n'y a pas un autre dino éventuellement qu'on peut tuer le tricé? Non, merci. L'Optera. Ouais, il risque de s'envoler. Bon, au pire, on peut tenter ce fiomien juste ici. Hein. Ouais. Alors, j'ai vu juste avant qu'il y avait des dinos pas trop loin. Donc, il va falloir juste faire gaffe. Mais en tout cas, on retrouve du coup des paracères, des tapés de Gérard, des Ptera. Donc, ça, c'est bon à savoir. Des fiomiens, etc., etc. Il y a l'air vraiment d'avoir pas mal de dinos. Et ça, c'est vachement cool. Au niveau de la map, elle a l'air plutôt. Ah, putain, level 90 quand même. Non mais je veux bien un moment, mais il va courir partout. Attends, et toi t'es level combien toi? Toi t'es level 110. D'accord, donc t'es level 110 et t'es ultra beau. Ouais? Non, pourquoi pas. Ok, est-ce qu'il y a peut-être éventuellement un dilophosaure, hein? Parce qu'en vrai, un petit dilophosaure, ça pourrait être pas mal du tout. Il me semble en tout cas en avoir croisé tout à l'heure. Mais ouais, non, visiblement. Qu'est-ce que c'est que... Attends, j'ai vu un truc. C'est du cristal? Ah, d'accord, attends, déjà il y a une mouette, d'accord. Donc la mouette, c'est bien parti, je vais gaspiller toutes mes lances. Juste savoir ce que c'est. Oh, il y a une loutre. Oh, il y a déjà une loutre. Mais c'est nickel ça. Eh, ça donne de la peau, non? J'ai pas envie de la tuer en fait. On va la tuer quand même. Désolé. Oh, attends, fais mal, eh. Bon, c'est bon, j'ai réussi à la tuer. Désolé, elle est partie où d'ailleurs cette conne? Elle est où? elle a glitché dans le sol ou comment ça se passe? J'ai tué une loutre pour rien. Non mais franchement, c'est décevant. Non mais attends, j'ai carrément tué une loutre pour rien. Oh c'est la déception. Donc du coup ça donne des gemmes. D'accord, donc je pense que c'est à peu près le même principe que sur Aberration, le principe des gemmes, etc., etc. Au niveau des engrammes, alors j'ai pas encore regardé, mais au niveau des engrammes du coup, ah, il y a l'air d'avoir des choses plutôt sympathiques. Ah, très clairement, apparemment pour crafter déjà des éléments, pour crafter des sels, des fondations. Je crois des formations tech, peut-être, je sais pas, un bouclier. Ouais. Ouh, ça a l'air sympa, ça prend un petit truc à la fin, là. Ça a l'air sympa. Bon, en tout cas, avec quelques petites salles à crafter, ça c'est cool. Je suppose que c'était un téléporteur, non, comme pas. Pas level 38. Mais peut-être une salle aussi. Ah, ça se peut en vrai. Enfin, bref, en tout cas, il y a l'air vraiment d'avoir beaucoup d'engrammes, donc ça fait très plaisir. Voilà, on peut se le dire. Hein. Alors après, je sais pas trop si dans cet épisode, on pourra déjà trouver un coin où s'installer, hein, mais... On va déjà essayer de ce stuff, genre au moins d'être level 20, ça pourrait être sympa. Pour ce qui est des stats, alors la difficulté offset est à 1.0, l'override est du coup à 5.0, le timing en 3, timing x3 du coup, récolte en x4, le breeding environ je crois x20 si je regarde bien les stats, et pour ce qui est l'XP il est en x1, voilà, pour ça que je dis monter level 20 ça va être un petit peu compliqué, on a vraiment en tout cas envie de le jouer un maximum legit. Ah, oh, il me tente ce fiomien. Ah, je parie si je le tape il va courir. Attends, peut-être avec les cailloux, peut-être une chance qu'il se bloque. Non, pas du tout, d'accord, il va carrément dans le sens opposé. Ouais, bon, j'ai la flemme. Très clairement, j'ai la flemme de courir après, pour vous cacher. On va le laisser, on va essayer d'aller trouver un autre dino. On va monter un petit peu, voir ce qu'on trouve. Ouais, d'accord, une tortue. Je crois là-bas, j'ai... Ouais, un petit dilophosaure.
Yes, nickel, un petit dilo. Alors déjà je pense qu'on va jeter tout ce qui est inutile parce que ça prend un petit peu de place dans l'inventaire et surtout ça prend du poids. Et puis bah écoutez, on va pouvoir hop, essayer de tuer le petit dilophosaure level 60. 186. Esquive. Ok, c'est bon. Et normalement, t'es mort. Voilà, nickel. Et puis comme ça, on va pouvoir le dépecer si tout se passe bien. 3 de peau, 8 de peau. Ouais, bon écoutez, on a au moins de quoi se faire une gourde, ça c'est plutôt pas mal. Ça... Non mais en vrai c'est pas mal, sachant que nous sommes au milieu de la map et apparemment il fait assez chaud. Aïe 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 quoi. Oh, mais ça a l'air tellement beau. Mais qu'est-ce que c'est que cette map? Oh lolo lolo, en plus attends, les couleurs des terres ont l'air vraiment très très belles. Donc il y a des lampes qui... Tu arrêtes. Elle me fait peur l'autre. Ok, donc level 15, ok, on peut peut-être le tuer d'après. Level 45, d'accord. Donc là apparemment, comme je l'ai dit juste avant, il y a bien les parasortech encore une fois. Donc c'est-à-dire que les dinotech, ils sont toujours. Bon, ce qui en soit un petit peu évident, nous sommes quand même sur extinction. Oh mais ça a l'air juste vraiment trop beau. Non mais très clairement, je vous le dis, je crois que cette map est la map la plus belle. Ah non mais très clairement. Autant aberration, c'était vraiment dans l'esprit grotte, etc. etc. C'était beau, mais sans plus. Là vraiment cette map, mais ça a l'air juste. Enfin, tête magnifique quoi. Oh. Aïe 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 aïe. Ah, j'ai hâte de trouver un coin où m'installer. Ah, par contre, je vous le dis, j'ai hâte de trouver un coin où m'installer. Au moins, ce qui est cool, c'est qu'il y a des volants, pas comme sur Aberration. Donc, c'est-à-dire qu'on aura le droit du coup à tout ce qui est tout ce qui est terrain, etc., etc., etc. Donc, ça fait plaisir. Dodo level 25, en soi, on peut se le faire. Il manque quoi? Il manque du bois. Eh bien, écoutez, on va essayer d'aller trouver un arbre à bois. Peut-être... ouais, tiens, on va se le faire, le petit arbre bas. Alors, également, petite précision. Il faut savoir que, normalement, le jour de la sortie de cet épisode, il y aura un live qui se passera, normalement, soit sur YouTube, soit sur Twitch. Donc, pour ceux qui veulent me suivre, du coup, sur Twitch, il y a un lien dans la description. Voilà, petite précision pour ceux qui veulent venir, du coup, voir les lives. Sachant que, normalement, les premiers jours, il y aura quelques petits lives sur Extinction. Je pense que ça pourrait être plutôt sympa. Pour le planning des épisodes, du coup, sera sur le Discord. Donc, je pense qu'il y aura, bon, allez, on va dire, un épisode tous les deux jours. Pour le moment ça sera déjà plutôt pas mal, sachant que je peux pas trop me permettre en fait de sortir un épisode par jour, ce qui en soit quand même plutôt pas mal. Mais voilà, prochainement je pense qu'on fera quelques petits lives dessus, au moins histoire de découvrir un petit peu la map, d'avancer un petit peu sur tout ce qui est timing, parce que oui, alors c'est bien en soi de commencer une aventure, mais il y a certaines choses que vous avez déjà vu des centaines, des milliers, voire des milliers de fois sur des séries. C'est pas forcément très intéressant de tamer des choses du genre Iguanodon, Ptera, etc. etc. Même si évidemment on fera peut-être 2-3 timings en vidéo, hein, bien évidemment. Mais voilà, je pense qu'on fera surtout vraiment les timings d'extinction en vidéo, tout ce qui est timing, voilà, des Golodons, c'est déjà du vu et revu, on le fera en live, voilà, pour les personnes qui sont intéressées, et au passage, on va, je pense, récolter, hop, un petit peu de baies, voilà, pour manger, ça peut être sympa, tiens, manger, déjà, hop, pas mal d'amarberry, ça c'est bien, on a déjà pas mal, et puis comme ça, on va pouvoir, hop, commencer à attaquer le dodo qui va, évidemment, dans les pattes de l'Igododon. Tu sais que je peux pas te taper, hein, ouais, non, mais tu sais, non, mais t'es au courant, ouais, t'as raison, ouais. Voilà, c'est bon, il est mort, tout va bien. Il y a encore un petit dodo juste à côté. Alors on va essayer de dépecer, hop, avec la hache. Ça donne déjà un petit peu plus de peau. Oh, les moustiques. Ouh, dégagez. Non, tu dégages. Attends, déjà que ça a très très fort, je crois, les moustiques. Dégage. Dégage. Voilà, nickel. Ok, ensuite, juste à côté, il y a encore un petit dodo. On va, je pense, directement aller le tuer, level 20. Oh, c'est nickel. Hop, on va prendre la peau, comme ceci. Voilà, 35 de peau. On est level 6. Qu'est-ce qu'on a pris? Ouais, bon, sac de couchage, narcotique, ça peut être pas mal. Ça donne des martyrs pilons. On peut éventuellement se faire une petite maison en chaume. En soi, pourquoi pas? Non, ça peut se faire. Non, 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 très clairement, ça peut se faire. Alors, je ne connais pas du tout la map, hein, pour les personnes qui peut-être ne sont pas au courant. Je me suis vraiment pas spoil du tout. Je me suis vraiment uniquement limité au trailer. Donc, je ne connais rien de cette map. Je ne sais pas où sont les endroits dangereux. Je... vois également qu'il y a des Titano Myrma, la belle sort. Oh lolo. Oh vous allez. Oh c'est pas vrai. Oh mais ils vont me saouler, je vous ai même pas attaqué, c'est juste pour faire chier en fait. Encore un petit compi, donc oui normalement les bolas ça prenne au level 9. Après pas sûr qu'on puisse tamer un Ptera dans cet épisode, sachant qu'il faut quand même pas mal de narcos puisque nous sommes en tamis x3 et pas au x5. Comparé par exemple, je sais pas, peut-être à Aberration, je crois en tamis x4, je sais plus du tout. Ou alors, non je crois qu'on était encore en tamis x5. Ou alors peut-être The Island saison 2, voilà, on était encore en tamis x5. Oh les compis, vous allez m'embêter. Voilà, je vais juste tuer le petit Listro, juste ici pour se faire un petit peu de peau, voilà. Alors je sais pas s'il a beaucoup de vie ou pas. Bon, ça a pas l'air, hein, pour le moment. C'est le foucou de 24. Il saigne déjà pas mal. Voilà, nickel. Ok, donc nouveau niveau au passage, ça fait plaisir. Qu'est-ce que c'est que ça? Enforceur. Pourquoi? Il me fait flipper déjà. Je vous le dis, il me fait flipper, hein. Genre il a tourné autour de moi, c'est très flippant. Oh,
Alors ça ensuite c'est des nouvelles fleurs ou c'est... Ouais d'accord, c'est juste des fleurs de décoratives. Ok. Non mais je pensais que ça allait ajouter une nouvelle plante ou une connerie comme ça, mais non pas du tout. Là du coup on a un mégatherium, ok, par hasard. Ouais, c'est le biome, biome neige j'imagine. Ouais, je pense que ça va être le biome neige, d'accord. On va du coup crafter, hop, Qu'est-ce que... Oh là. Pourquoi ils ont attaqué? D'accord, donc là ça peut se téléporter. Ok, d'accord, donc ça peut se téléporter. Non, très belle ambiance. Donc je pense qu'il faut pas les frapper, sinon ils se ramènent, sinon je pense qu'ils se ramènent tous ensemble et on passe très clairement un mauvais moment. Bon, et bien écoutez, on va directement profiter pour placer les premières fondations, hein, qui seront évidemment temporaires, hein, tout sera cassé par la suite. Alors je sais pas si c'est le meilleur endroit où s'installer. très clairement je ne pense pas, mais on sait jamais. Oh, attends, en fait on pourrait peut-être s'installer là-haut. Et en vrai, ça serait beaucoup plus sécure. Oh, je viens d'y penser, mais... Eh, mais c'est pas con du tout, ça. Attends. Est-ce que déjà, on peut construire là-haut? Bon, évidemment, du coup, j'ai pas de fondation. Attends. Il me faut du coup de la fibre. Ah, attends, je vais en farmer. Attends. Ça, c'est pas les trucs qu'il y a normalement dans l'overseer. Faut peut-être s'éloigner un petit peu, je crois. Je crois qu'il faut peut-être s'éloigner un tout petit peu. Ça serait, je pense, plutôt pas mal. Alors, attends, on va déjà jeter ça. On va s'éloigner très rapidement, parce que déjà, si ça attaque le stego, c'est pas bon signe. Je crois que je suis le prochain. Je suis pas sûr, hein, mais je crois que je suis le prochain. Alors, par où on peut monter avec cette merde-là? Est-ce que... Non, d'accord, on peut pas monter comme ça. Donc, on va devoir monter par ici. Ouais, t'as raison, le stego. Hein. Tant que pour le moment, moi, je fais le contour, Je monte à un endroit qui visiblement est peut-être un petit peu sécure. Et oh magnifique, on peut construire ici. Oh mais c'est trop bien. Oh eh, c'est trop bien ce truc. Genre on peut carrément s'installer ici. Attends, je pense que vous savez quoi, on va commencer juste à passer la première fondation. Tac, voilà. On va poser les autres comme ceci. On va casser ce petit arbre. Voilà, comme ceci. On va également manger un petit coup. Voilà, comme ceci. Plutôt pas mal. On va augmenter encore une fois le poids. Level 8. Ok, on débloque du coup bientôt les bolasses. On a débloqué la massue, la longue vue. Ouh, c'est pas mal ça. On pourra peut-être d'ailleurs crafter une longue vue juste après. Ça pourrait être utile pour voir de loin. Hop, nickel. D'accord, non, faut rendre la fibre. Ok, bah, nickel. On a de la fibre ici. Voilà, on va en récolter. Là, je suis un buisson. Non, mais très clairement, là, je suis un buisson. Alors, également, petite précision, lors du trailer, on a pu voir, normalement, l'apparition de Titan, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas du tout où ça spawn, et j'espère ne pas en croiser un, en fait, dans cet épisode, parce que ça a l'air assez assez grand. Non, mais franchement, on peut se le dire, hein, ça a l'air immense, hein, très clairement. On va pas se le cacher, ça a l'air très clairement immense. On va juste jeter ça, hop, voilà, on va pouvoir récolter, encore une fois, un petit peu de fibres. Mais voilà, j'espère juste ne pas en trouver dans cette ville. Alors, également, d'après ce que m'ont dit, les autres, il y a l'air d'avoir d'autres parties de la ville. Ça, je crois que c'est la ville, la ville en fait, le centre. Apparemment, il y a une ville un petit peu plus moderne. Je sais pas trop où c'est où exactement, mais voilà, il y a l'air d'avoir plein d'autres choses. J'ai vraiment hâte d'aller explorer tout ça. On va essayer, je pense, de s'amener un dino assez rapidement pour aller visiter un petit peu. Que ce soit genre un parasaur ou une connerie comme ça, même un raptor, au pire, c'est même un raptor en fait, ce serait carrément mieux. On va voir ce qu'on va pouvoir tamer. Hop, voilà, quelques petites fondations par ici. On va également normalement crafter. Alors, attends, c'est 4. De porte ou alors crafter une porte, mais oh, j'ai plus d'engrammes pour les caisses, t'es sérieux? Oh, ok. Ensuite, il va me falloir du coup, normalement, donc ça et le reste, tout en mur. Voilà, donc les murs, j'ai tout jeté, j'ai jeté tous mes murs. Non, j'ai déjà tué, non, j'ai jeté tous mes murs tout à l'heure. Ça c'est du bois, hein. Oui c'est du bois, d'accord, donc j'ai dû jeter ça quelque part, je ne sais pas où, mais j'ai jeté ça quelque part, très bonne ambiance. Hop, voilà, on va poser ça comme ceci, on va pouvoir également, normalement, poser ça comme ceci, voilà, pour faire la petite entrée, mettre ça juste ici, et il va falloir, évidemment, aller chercher, qu'est-ce qui manque? Du branchage, oui voilà, bah non, mais je savais qu'il manquait du branchage, bien sûr. Également, l'année dernière, ils avaient annoncé extinction, je crois, vers printemps 2018. Bon, en soi, ça n'a pas du tout été respecté, on va pas se le cacher. Et franchement, ils ont bien eu raison de prendre leur temps, parce que cette map a l'air juste magnifique, elle a l'air dingue. Je crois qu'on va y passer beaucoup plus de temps qu'Aberration. Aberration semblait un petit peu bâclée. Extinction a l'air complètement fou. Je sais que j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure, mais vraiment, quand j'insiste là-dessus, c'est vraiment qu'elle est ouf. Oh attends, en plus on a une source d'eau juste à côté de chez nous. Oh c'est nickel ça. Hop, ok, on va du coup remplir les deux gourdes. La deuxième gourde elle est où?
Elle ou la... D'accord, je peux crafter deux deuxième gourdes. Ok, d'accord, moi qui pense en avoir crafté une, bon, pas grave. Ah oui, du coup, cette map a l'air vraiment... Mais ouf, c'est un truc de taré. Comme je le dis, je cesse de le répéter depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment ce que je pense, parce que c'est dingue, quoi. Sérieux, genre... Regardez-moi cette map. Et alors, au niveau de la taille, je sais pas trop à quoi ça correspond exactement. D'après ce qu'on m'a dit, ça correspond à la taille de The Island. Mais ça reste à voir. Très clairement, ça reste à voir parce que ça a l'air comme grand. On va pas se le cacher, ça a l'air juste immense, quoi, ce truc. C'est... Aïe, 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 aïe. Ok, donc du coup, on va placer le mur juste ici. Bon, alors du coup, j'ai un petit peu avancé sur le farming des ressources. Et déjà, alors, première chose, on va pouvoir normalement crafter, hop, cette petite longue vue. Bon, déjà, première chose à faire, très, très importante. Voilà, comme ça, par la suite, on pourra aller chercher quelques petits dinos. Ensuite, deuxième chose à faire, on va pouvoir placer ce petit mortier pilon. Hop, non, je vais pas manger, voilà, je vais le placer. On va sans doute le placer, tiens, par ici, pourquoi pas. Tac, voilà. Ensuite, on va pouvoir déjà déposer toutes ces merdes, hop, à l'intérieur, comme ceci. Voilà. On va pouvoir du coup prendre les pignons, hop, qu'on va pouvoir directement placer, comme ceci. Comme ceci. Hop, voilà. Tac. Non, plutôt là, ouais, c'est comme ça, ouais, et comme ça. Voilà. Alors, ça sera une première maison, d'accord, je tiens quand même à le préciser. Une maison, du coup, en chaume qui sera sans doute détruite par la suite. Ne vous inquiétez pas, si ça se trouve, quelqu'un veut très bien s'installer ici. Ce qui, en soi, m'étonnerait, mais on sait jamais si ça se trouve, quelqu'un veut s'installer ici. Donc, je vais détruire ça par la suite, mais au moins durant les premiers épisodes. Ce sera du coup un endroit où m'établir. Et puis voilà, ce sera déjà plutôt pas mal pour pouvoir du coup placer hop, les fondations comme ceci. Voilà, magnifique. Pour placer le truc pour la porte ici. Et ensuite, on va pouvoir prendre normalement les toits inclinés qui sont ici. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que je n'aurais pas assez. Ouais, très clairement, je n'aurais pas assez du tout. On va pouvoir du coup placer hop, tout ce qui est mur comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Voilà. Ensuite, également replacer du coup les pignons. Voilà, donc le pignon ici, tac, tac. Alors également, pour le moment, je n'ai pas encore vu la nuit sur Extinction. Je sais pas trop comment ça se passe. J'ai l'impression que ça passe, mais hyper lentement. Mais vraiment, pour vous dire, j'ai même pas encore nuit une seule fois. Il est 12h36, ça passe très très lentement. Je ne sais pas si, enfin en tout cas tout à l'heure en débutant j'ai entendu dire qu'il y avait des systèmes de nuit, enfin qu'il n'y avait pas de nuit en fait sous les sphères, donc la sphère désert et la sphère biome-neige, donc non plutôt biome-neige et désert je crois par là-bas, mais je ne sais pas si c'est pareil pour ici, sachant que j'ai pas encore vu la nuit, et il me semble pas avoir lancé le serveur, enfin m'être connecté... quand il faisait nuit, donc bon, bref, aucune importance. Dans tous les cas du coup, tout incliné, on va pouvoir les placer directement, voilà, tac, comme ceci. Très clairement, j'en aurais pas du tout assez. Hein. Genre vraiment pas assez du tout. Ah, quoique. Quoique, j'en aurais pratiquement assez. En fait, il m'en manque que 3. Ouais, bah attends, je peux très rapidement les crafter en fait. Pour prendre ça, pour prendre ça. On va pouvoir prendre ça. Tac. Pour prendre ça également. On va pouvoir prendre le branchage qui se trouve ici. Et crafter les 3 derniers, normalement. Voilà, 3 derniers, comme ceci. Voilà. On va pouvoir également mettre tout ce qui est narcotique, très important. Bah, du coup, à crafter, hein, forcément. Puisque j'ai énormément de narco. Enfin, énormément. Entre guillemets, hein, quand même. Ok, d'accord, tout ce que j'ai. Donc, je vais pouvoir mettre ça dedans. Je vais pouvoir mettre ça dedans. Et je vais pouvoir en crafter 24. C'est déjà ça. Non, mais en vrai, c'est déjà ça. Au niveau des engrais, par contre, c'est horrible, mon dieu. J'ai trop d'engrais à apprendre. C'est un truc de fou entre toutes les structures. J'ai trop de trucs. Non, mais franchement, j'ai beaucoup trop de trucs à apprendre. Et c'est horrible. Non, très clairement, je vous l'annonce, c'est très, très. Enfin, c'est horrible. On va déjà crafter, je pense, 2 sacs de couchage, même si. Ouais, j'ai appris l'engramme, hop, autant profiter. On va du coup crafter, hop, 2 sacs de couchage qu'on va pouvoir placer dans la maison directement. On va pouvoir également placer normalement les toits inclinés, comme ceci. Hop, hop, et hop, voilà. Et ben on n'est pas bien là. On a la première maison qui est faite, franchement. Alors elle est dégueulasse par contre, putain. Oh chaud, mais c'est dégueulasse. Ah mon dieu. Ah mais c'est vraiment dégueulasse. Bon, je suis que level 12 pour le moment, d'ailleurs, j'ai encore regardé des engrammes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du coup les structures en bois. Ne comptez pas sur moi pour tout refaire en bois, d'accord? Je viens juste de terminer ce qui... Enfin, en chaume. Donc, on va attendre pour le bois. Mais en tout cas, j'ai bien envie d'aller tamer éventuellement un petit truc. Donc, on peut aller faire ça. On peut déjà se crafter normalement une petite massue. On peut même s'en crafter 3. Tiens, on va s'en crafter 3 comme ceci. On va pouvoir, du coup, poser tout ce qui est inutile normalement à l'intérieur. Voilà. La longue vue, on va du coup l'équiper ici. Ça, on va poser dedans, voilà, et c'est bon normalement, voilà, on pose toutes les ressources dedans, tuc. On va pouvoir poser normalement les sacs de couchage, hop, comme ceci,
et en fait on va directement passer les deux à l'intérieur, je pense. Voilà. Et puis on va pouvoir réparer normalement ça. Alors, attends, il me faut du bois, pierre, branchage. Hop. Hop. Et voilà. Tac, tac. La pierre. Ouais, c'est bon, nickel. Non, il faut du silex pour la hache. Pardon. Il me faut du silex. Est-ce que j'ai du silex par hasard? Silex, oui, voilà, nickel. Hop. On a tout ce qu'il faut à tout remettre. Et puis bon, on est parti. Alors à première vue par contre, il n'y a pas grand chose. Il n'y a qu'un stego en level 80, un tricé level 25. Je vais pas l'étamer parce que je n'ai pas non plus énormément de choses pour l'étamer. Il y a un paracer là-bas level 20, même si on s'en fout complètement, je sais pas pourquoi je regarde le level. Ça c'est un enforceur, je sais pas comment ça se tame, très clairement je ne sais pas du tout. Je vais éventuellement aller voir sur d'autres decks s'il y a moyen de le tamer. Level 15, d'accord, au moins aller voir les dinos aux alentours. Taper de Jera, c'est fou comment il y a de taper de Jera sur cette map. Non mais en soi c'est quand même hallucinant le nombre qu'il y a sur cette map. C'est vraiment fou parce que depuis tout à l'heure je vois que ça dans ces eaux-là. Donc je pense qu'il y a un très très gros spot. Et oh là, qu'est-ce que c'est beau. Oh. Ouais bon, ça fait 15 fois que je le dis, mais je le répète encore une fois. Je sais pas s'il y a des trucs au centre, hein, je crois pas, non, il y a rien du tout. On va éviter après de trop s'éloigner, sachant que je pense que ça va être un petit peu chiant après pour rentrer. Alors, on arrive du coup, je crois, dans un nouveau quartier. Avec au passage des araignées, d'accord. D'ailleurs, c'est pas la première araignée que je vois pour le moment. Alors ça, déjà, connerie à pas faire. Merci beaucoup, j'ai perdu la moitié de ma vie, pourquoi pas. Donc apparemment, je vois pas mal d'araignées sur la map. Pas forcément à côté des caves. Alors je sais même pas s'il y a des caves et où sont les caves sur cette map. Mais c'est un petit peu inquiétant. Parce que si les araignées peuvent spawn n'importe où... Ah, c'est carrément inquiétant. Hein. Ah non, mais très clairement, je vous le dis. Bon, au moins ça va, les enforceurs peuvent nous défendre, ça pose pas trop de problèmes. Un terrain level... D'accord, génial. Oh, c'est beau. Oh, il y a une note. Oh, il y a une note. Je veux la prendre. Je veux la prendre. Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, j'ai pas croisé une seule note. Ah, et par contre, pour les dégâts, c'est pas top. Hein. Je vous l'annonce, c'est pas du tout. Hop, première note. Oh, c'est trop stylé. Oh, c'est beaucoup trop stylé. Alors, on a gagné combien de levels? On a gagné 2 levels. Eh ben écoutez, on va augmenter un petit peu sur la stam. Tiens, et également un petit peu sur la vie, pourquoi pas. Alors, ensuite, on va aller voir un petit peu par là. Oh putain, mais comme c'est trop beau, quoi, cette map. Oh, très clairement, c'est ma map préférée. Non, mais là, il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. C'est ma map préférée. Là, pour le moment, c'est beaucoup trop beau. Bon, eh ben, mesdames, messieurs, malheureusement, je suis mort à l'instant par un enforceur level 130. Je ne sais pas comment c'est arrivé, très clairement je tiens à vous le dire. J'étais parti, voilà, tranquillou pour un petit timing de par hasard qui était uniquement level 40, pas 140 mais 40. Et j'ai voulu lancer une deuxième bolasse pour le robolasse de nouveau. Et la bolasse a dû bugger parce que c'est pas... En fait, je crois que c'est pas le bon dino que j'ai touché. Donc malheureusement il m'a défoncé. Je suis triste parce que ça fait mal, mais vraiment ça fait très très mal. Donc bah écoutez, on va du coup aller chercher normalement le stuff qui se trouve juste derrière si je me trompe pas. Et puis bon, à la limite on tamera, je sais pas, un dodo, une connerie comme ça, plutôt qu'un cas par hasard, parce que malheureusement je n'ai pas du tout les ressources pour. Très clairement avec la massue c'est beaucoup trop galère, c'est beaucoup trop dangereux en fait dans ce coin là. Ouais, c'est ce petit gars là, ouais, c'est ce gars là qui m'a tué juste avant. Aïe aïe, génial. Complètement génial. Bon, alors du coup on va récupérer... Eh mais j'ai aucune stam, c'est hallucinant. Quand t'as 120 de stam, ça se perd hyper vite. Hein. D'ailleurs, il est quelle heure? Il est 22h. Ouais, non, il fait nuit. Hein. Ouais, non, il fait nuit. Hein. Non, mais on propose, je veux dire. Bah, je crois qu'en fait, il fait tout le temps nuit, tout le temps jour sur cette map. Et bah, je crois qu'on va pas s'en plaindre. Parce que très clairement, c'est un bonheur d'être sur une map où il ne fait pas nuit. Genre, est-ce que vous imaginez? C'est génial. Mais genre, vraiment, beaucoup trop génial. Hop, on va dépecer du coup le corps. Ça fait de la viande. Pas, ça fait pas de peau, ça fait pas de peau. Tant pis, tac, on va tout remettre comme ceci. Et puis bah écoutez, on va repartir sur un petit timing. On va downgrade un petit peu parce que le par hasard, ça sera pour le prochain épisode. Je vous l'annonce, ça sera pour le prochain épisode, plutôt lors du prochain live qui du coup normalement sera cet après-midi, à l'heure où je sors l'épisode. Voilà, toi tu vas venir par level 55. Bon, c'est pas grave, il est pas très très haut level. Hein. En soi, est-ce que c'est gênant? Je ne pense pas. Par contre, faudrait quand même penser à dormir un jour. Ça serait pas mal. Bon, je vais foutre un coup en trop. Au pire, on s'en fout littéralement. On va aller mettre quelques petites baies dedans. On va très rapidement aller farmer un petit peu de baies. Est-ce que ça, on peut ramasser? Non, on peut pas ramasser. Ça, par contre, on peut ramasser. Eh ben, écoutez, du coup, petit dodo, level 70, tamé. Et pourquoi tu marches alors que je te dis d'aller dans le coin?
C'est idiot, un dodo. Non, mais c'est idiot. Donc, du coup, premier dinosaure tamé sur Extinction. Ça fait très, très plaisir. Alors, malheureusement, voilà, comme j'ai dit juste avant, je ne peux pas tamer aujourd'hui un parasaur ou une connerie comme ça. C'est beaucoup trop chaud. Sachant que je n'ai pas encore les ressources nécessaires, etc., etc. Donc, je préfère, voilà, plutôt faire très, très peu de tamming. Surtout du farming aujourd'hui, voilà, pour vraiment vous proposer du contenu intéressant, peut-être pour le prochain épisode. Pourquoi pas, hein, ça peut être cool. On va le renommer au nom du grand mic, parce que oui, en fait, alors le grand mic est du coup un sub Twitch pour les personnes qui ne sont pas au courant. J'avais du coup, enfin, il m'avait du coup demandé de renommer un Terry sur Vanilla. Je ne l'ai toujours pas fait parce que je n'ai toujours pas de Terry. Donc voilà, en compensation, je le renomme en dodo. Ouais, je sais, en dodo, c'est minable, mais merci du coup. Non, mais très clairement, je sais, en dodo, c'est minable, mais c'est toujours ça. Alors, est-ce que du coup, j'ai des baies ou pas sur moi? Ouais, voilà, Nicolas, un petit peu de bouffe. Et puis, bah écoutez, je pense que ce qu'on va faire, on va les faire. Un petit peu d'exploration. Voilà, je vous l'annonce, on va très rapidement faire un petit peu d'exploration. On va déjà poser tout ce qui est vraiment inutile. Tac, voilà. Oh, mais c'est trop classe! C'est ça qu'on voit dans le trailer! Mais c'est ça! Mais oui! Mais c'est ça! Il n'y a pas de pluie, mais non! C'est... Oh, c'est trop bien! Mais oui, c'est des météorites! Alors, est-ce que ça tombe dans la ville ou uniquement dans le... Non, d'accord, en fait, la ville, elle est protégée par une sorte de dôme. Oh, on dirait Wakanda, quoi. Oh, mais c'est trop stylé! Oh. Mais Extinction est très clairement la meilleure map du monde. Non, mais y a pas à chier, c'est très clairement la meilleure map du monde. Aïe, 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 aïe. Alors, en fait, j'ai pas trop envie d'aller dans le biome froid, sachant que je risque de me les cailler un petit peu. Mais on va juste voilà, jeter très rapidement un petit coup d'œil, voir ce qu'il y a. Au pire, si on meurt, on réapparaît à côté, donc y a pas trop de soucis. Oh. Qu'est-ce que c'est beau. Alors, écoutez, moi, ce que je vais vous proposer, malheureusement, comme aujourd'hui, y a pas eu grand-chose. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? On peut casser? On sait jamais, non, je sais pas, j'ai cru que c'était un truc. Donc oui, alors, vu qu'aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas fait grand-chose, je vous propose un truc. C'est éventuellement, la vidéo dépasse les 100 likes. Alors oui, je fais un petit peu ma pute à like, mais vu comment je demande ça rarement, aujourd'hui, j'en profite, premier épisode d'Extinction. Si la vidéo dépasse les 100 likes, voilà, je vous propose demain, éventuellement, un autre épisode directement de Ark Extinction. Voilà, comme ça au moins c'est dit, c'est fait. Ouais, voilà, je vous annonce comme ça, mais je pense que ça peut très clairement être sympa quand aujourd'hui on n'a pas fait grand chose malheureusement. Mais aïe aïe aïe, mais qu'est-ce que c'est que cette map? Mais c'est ma map préférée. Oh là là, mais que... Alors j'ai pas trop envie d'aller vers le truc là-bas parce que du coup le Destroy Unity là, ça... Enfin le Défense Unity plutôt, ça attaque bien tout. Tout à l'heure j'ai bien vérifié, ça attaque bel et bien tout. Stegosaur, tout le bordel et tout, donc je pense un petit peu comme un Rex ou un Argy, donc ouais c'est très très relou. Alors aussi du coup, petite précision, c'est vrai que certaines personnes peut-être pourront dire « Ouais, je trouve que c'est vraiment un aberration-like », alors pas du tout. Voilà, je tiens quand même à vous le dire, d'après ce que j'ai vu, pas du tout. Il y a apparemment des parties souterraines, d'après ce que j'ai vu, mais franchement, pas du tout. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi à faire un autre univers, toujours un petit peu dans le même thème, hein, le thème genre avec le métal, etc., les structures, un petit peu évident en même temps, hein, c'est Ark, quoi. Mais voilà, je trouve vraiment ils ont bien géré cette map, j'ai hâte de voir la suite. Yes, j'ai perdu la moitié de ma vie, mais voilà. J'espère en toi que vous êtes autant hypé que moi. Et puis bah du coup, c'était Starkey, à la prochaine. Et puis bah salut, tchuss!